hollywoodien pour qu'une de ses chansons se retrouve à un moment donné sur la bande originale d'un film. Je ne peux pas vous dire le nom du réalisateur. Juste ouch. OK, d'accord. On a rencontré Céline Dion. Elle nous parle justement de sa soirée qu'elle a vécue justement au Junos récemment. Ça a été toute une soirée. And the Juno goes to Unison, Celine Dion. Celine Dion. Quand je suis arrivée aux répétitions au Junos, puis j'ai vu mon nom en avant, premièrement, j'étais super fière, ça c'est sûr, parce que juste à côté, c'était MC Hammer. Que j'étais bien, pas pépante, j'étais bien contente. Puis là, mais c'est drôle, pour te dire vraiment la vérité, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé, hey, c'est ça, ici, ils m'ont mis là, mon gars. Je sais pas pourquoi, ça m'est pas passé dans la tête. Est-ce que tu étais plus inquiète de ta prestation, tu voulais faire vraiment une belle job? Je veux dire sincèrement, je sais ce que tu vas me demander. Pour moi, le plus important, c'est bien, c'est d'être en nomination, premièrement. Puis quand j'ai à chanter, je veux donner le mieux que je peux. Pour moi, le plus important, vraiment, là, c'était de donner une belle performance. Céline Dion effectue présentement une tournée des principales villes de l'Ouest. Elle se produira ce soir à Edmonton, ensuite à Calgary, Winnipeg, Toronto et Cornwall. Ça a été bien rapidement pour moi. Ça va vite. Je sais, c'est comme... Même, j'y pense encore, puis je me dis que je peux pas croire que je suis numéro 4. T'sais, ça a comme été tellement vite. Moi, je me pensais, tu sais, d'être même... Premièrement, j'espérais d'être sur le palmarès, sur le top 100. Mais je me disais, ça va prendre une coupe de 45 tours avant, tu sais. Premier 45 tours, je suis rendue numéro 4. Je pense que tu peux pas espérer mieux que ça, c'est sûr. Puis vu que t'es numéro 4 sur le Billboard, on dirait que ça influence tout le marché international. Je disais, moi, je suis allée en France bien souvent, avec mes disques en français. C'est bien rare. C'est dur. Québécois, tu chantes en français, tu t'ailles en Europe, ben pas pour, mais tu veux. Tu vas en France, tu fais les Champs-Élysées, tu fais Drucker, tu fais... C'est dur de se faire une place. Là, t'es hit aux États, et hey, là, c'est pas drôle. On dirait que c'est plus facile. Parallèlement à sa carrière de chanteuse, Céline fera cette semaine ses débuts en tant que comédienne dans la télésérie Des fleurs sur la neige.